C'est la plus longue, la plus engagée, la plus belle des courses de ski alpinisme au monde, la Pyramenta, 36e édition. Des montées et descentes infernales sur une neige dure. En montant au sud du Grand Mont, déjà, on était les trois équipes ensemble. Je me disais, tiens, mais là, ça va faire pour le podium sur l'étape du Grand Mont, c'est un truc de malade. Et on dépote avec les Italiens là-haut. Et Matt, il m'a dit à fond, et putain, ça m'a débridé des descentes là. Et c'est un truc de fou. Je suis trop, trop content, putain. Une victoire d'étape à la pierre sur le jour du Grand Mont. Merci à mon Jacques Mou. J'ai vécu mes plus belles émotions d'athlète. Hein, à chaque fois, les victoires d'étape, c'est incroyable, ça te fait des frissons. Il faut aller chercher devant encore demain. On va attaquer. On sait qu'on peut le faire, donc on va attaquer. Mathéo Jacques Mou et Samuel Ekki ont déjà remporté l'étape d'hier. Quatrième du général, ils se présentent aujourd'hui en premier, acclamés comme jamais. Au terme de la Pyramenta, dans cette place de l'étape. Le pyjama